Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans Forza Horizon 5 pour répondre à la question d'un abonné concernant une distinction qui se trouve dans créatif et puis dans piste d'essai, trajectoire de collision, réaliser un carambolage ultime avec n'importe quel buggy amélioré à la classe S1. Maintenant, pour faire votre distinction, vous devez aller sur le test track. Donc, direction le test track ici. Alors, le test track est tout près du Festival Horizon Mexico. Donc, vous y allez. Vous vous inscrivez avec X. Vous voyez que tout est décoché. Piloter un buggy, c'est pas bon. Sur la piste d'essai d'Horizon, c'est pas bon. Et le carambolage ultime, c'est pas bon. On va commencer. On prend solo. Et maintenant, on va filtrer sur buggy. Et on peut prendre que ce buggy-là, le Volkswagen Baia Beetle Class. On va le prendre. Et il va falloir le modifier en SA 900. Voilà, on est maintenant sur la piste d'horizon, mais on n'a pas encore un buggy S1. On va le faire maintenant. On va faire un réglage à la con très rapide, sans se casser la tête, pour être en S1. On va commencer par le passer ici, en 4 roues motrices. Puis après, on va lui monter ceci pour le faire monter en classe C. Ici, vous prenez le plus gros truc que vous trouvez pour vous faire placer directement tout près d'un S1. Donc à 753, c'est le mieux. Vous prenez ça. On fait vraiment un réglage à la con, hein. On ne se casse pas trop la tête. Vous lui mettez des pneus pour le passer en S1. Hop, ici. Non, ça c'est les jantes. C'est les pneus, je disais. Tiens, on peut pas changer les pneus. C'est les jantes. Et on peut pas changer les pneus, tiens. Étrange. C'est ici peut-être. Non. Alors, on va mettre un truc de vitesse. Voyons voir. On va mettre ceci. Est-ce que les autres c'est mieux ou pas? Hop, hop. Départ arrêté, on s'en fiche un peu. Vaut mieux plus d'accélération. On va prendre celle-ci pour avoir plus d'accélération. Ici, on va mettre ça. On va tout mettre de toute façon, histoire de passer en S1. Hein. Donc ici, on va mettre ceci. Voilà. Après ça, on passe sur les plateformes route, on met tout hein, pour monter au maximum la voiture histoire de la passer en S1. Hop, hop, voilà. Ici, on va tout mettre aussi ce qu'on peut. Allez, on passe en 768, on prend. Ici, on passe en 777, on prend. Il faut vraiment passer en S1, hein, donc on va tout mettre, tout ce qu'on peut, en espérant pouvoir passer en S1. Je crois que c'est bon. Hop, on va mettre ça. S1 803. Voilà, on est en S1, c'est déjà bon. Bon, on va mettre encore un peu de puissance, hein, voilà. Vraiment, on fait vraiment le réglage basique sans se casser la tête, histoire vraiment d'avancer un maximum. Voilà. C'est bon, on prend. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Ça a été fait. Ça a été fait. On peut maintenant en faire ici. Les roues ici, qu'est-ce que ça donne? Bon, on va laisser comme ça. Ça fait tout diminuer. On peut encore mettre des jantes un peu plus légères, histoire de gagner un peu. Moins 4 kilos, moins 12 kilos, ben voilà, moins 12 kilos. Peu importe, hein. Ici vraiment, moins 4 kilos encore. On s'en fout en fait, hein. C'est juste pour gagner un peu de puissance, voilà. Maintenant, on est en S1 826. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement valider ça. Donc, ici, maintenant, la voiture est améliorée. On est en S1. Et maintenant, il faut faire un carambolage ultime, péter plein de trucs. Alors, le plus simple, c'est d'aller sur l'autoroute, hein, ou essayer de vraiment pouvoir casser des trucs, vraiment, ici. Peut-être que vous pouvez le faire avec les trucs ici. Essayez vraiment de faire un carambolage. Vraiment, il faut casser beaucoup de trucs, hein, pour faire un carambolage ultime. Mettez-vous là. C'est pas évident. C'est plus facile sur l'autoroute avec les cônes. Vous devez pas rester ici, hein. Vous pouvez le faire sur l'autoroute. Je sais pas si je peux me téléporter sur l'autoroute. Non, je peux pas. Donc, je dois vraiment essayer d'aller sur l'autoroute. On va aller sur l'autoroute. On sait pas mettre de points. C'est chiant. Excusez-moi, mais c'est vraiment chiant. On peut essayer de trouver. Voilà, ici, on va essayer de le faire ici. On va se mettre là en ligne. On va essayer de le faire ici. Bon, la voiture tient pas bien la route. C'est normal parce qu'on a fait un réglage vraiment à la con. Donc on va se mettre là et on va péter tout ici. On va essayer de tout péter là.
Fais un carabolage ultime. Péter encore des trucs là. Faut vraiment péter beaucoup de trucs pour faire un carabolage ultime. Essaye avec les cactus, ça peut marcher aussi. Sinon, allez sur l'autoroute, hein, c'est le plus simple. Allez, où l'autoroute? On est bon, on va droit faire l'autoroute. Hein. Voilà, l'autoroute est là, on va prendre l'autoroute. Est-ce qu'on peut pas le faire ici avec les barrières? On va essayer ici avec les barrières. Voilà, casser les barrières comme ça. Casser tout. Et voilà le carambolage ultime. Allez sur l'autoroute, c'est le plus simple. Et voilà, votre distinction est validée. Je vous montre. Faut faire quitter l'épreuve, bien évidemment. Donc on quitte l'épreuve. On n'installe pas le réglage, comme ça vous perdez pas d'argent. Vous faites abandonner le réglage et quitter. Vous pouvez l'installer si vous voulez, hein. Ça c'est à vous de voir. Et maintenant, je vous montre que la distinction est validée. On était donc dans créatif. Et on était dans piste d'essai. Et c'était ici. Trajectoire de collision. Réaliser un carambolage ultime avec n'importe quel buggy. Amélioré à la classe S1. Et voilà, c'est fini. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5.